Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement samedi, c'est presque les vacances. Il me reste seulement une réunion lundi avant d'être totalement en vacances. Et il y a plein de choses que j'aimerais faire, plein de choses qui me font envie. Mais avant de me poser et de m'atteler à plein de petits projets sympathiques, il faut que je range la maison parce que c'est le dawa. Clairement, c'est de ma faute parce que mon mec aime quand c'est rangé. Moi, j'aime quand c'est propre. Donc devinez qui de nous deux laisse traîner ses affaires en permanence, c'est pas lui. Sauf que là, il y en a vraiment partout, donc il faut que je commence par faire ça. Et puis il y a aussi un petit peu de vaisselle, un petit peu de linge, etc. dont il faut que je m'occupe. Et ensuite, il y a des choses que je laisse traîner depuis un certain temps déjà que je voudrais faire. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour cette première partie de ma journée, sachant qu'il est déjà 13h, que j'ai encore rien fait, donc il est vraiment temps que je me bouge les fesses. Je sais pas du tout si je vais avoir le temps de faire tout ce que j'ai prévu aujourd'hui, on verra bien. Dans tous les cas, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un livre audio sur BookBeats. Je suis en train de tester la plateforme parce que j'ai vu un code promo passer sur le compte Instagram de Juliette Kitsch. Et ça m'a donné envie de tester parce que j'avais déjà testé Audible et j'essaye depuis un certain temps déjà d'avoir leur promo où ils proposent l'abonnement à 4,95€ au lieu de 10€. Sauf que à chaque fois que j'essaye de l'avoir, eh bien en fait ça ne fonctionne pas. Donc à chaque fois je repousse mon abonnement de plus en plus parce que j'ai pas très envie de payer 10€ par mois. Et ça ne marche pas. Et là j'ai vu passer donc le code promo pour une nouvelle plateforme de livres audio et je me suis dit que j'allais tester. Donc je suis en train d'écouter un livre en anglais qui est A Good Girl's Guide to Murder. J'ai vu que la série Netflix était en train de sortir donc je me suis dit que il serait peut-être temps de lire le livre. Donc je pense que je vais me mettre ça en fond sur mon enceinte et que je vais commencer par nettoyer toute la maison. Et puis une fois que j'aurai fait ça, je vous expliquerai la suite du programme. Thank you.
Le rangement, c'est terminé pour aujourd'hui. Il me reste encore un coup d'aspirateur à passer, mais je ferai ça un petit peu plus tard. Là, je commence à avoir faim, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire tremper ces deux projets terminés. Donc c'est la framework bralette que je vous ai présentée dans mon dernier podcast créatif où je vous avais dit qu'elle n'était pas encore bloquée. Et il y a également ce châle. J'ai oublié le nom, c'est de le châle Tibesti de Bérangère Caillot que j'ai terminé également et que je vous avais présenté dans le podcast créatif d'encore avant, que je n'ai toujours pas bloqué. Donc j'ai préparé deux saladiers, je le fais pas dans mon évier parce que je vais en avoir besoin pour refaire de la vaisselle vu que je vais aller me préparer à manger. Et puis en plus ce châle là j'ai un petit peu peur qu'il déteigne. Que quand je le fasse tremper, l'eau devienne rose et que ça déteigne un petit peu sur l'évier blanc, et c'est une galère à nettoyer ces éviers là, donc je préfère pas tenter le diable. Mais j'ai préparé des saladiers, je vais aller mettre de la lessive spéciale laine à l'intérieur et je vais les faire tremper pendant peut-être entre 15 et 30 minutes. Je mettrai un timer sur mon téléphone pour savoir quand est-ce que je dois aller les essorer, et ensuite je les mettrai à bloquer sur mon tapis de yoga. Et normalement il fait suffisamment chaud pour que ce soit sec demain matin, comme ça demain matin je pourrais tranquillement faire mon yoga. J'attendais d'avoir une journée suffisamment chaude pour le faire, d'avoir de 1 une journée suffisamment chaude pour le faire et de 2 une motivation suffisante pour que je me mette en marche. Donc là les deux sont réunis, ce qui fait que normalement c'est bon, ces deux trucs là seront à bloquer d'ici une petite heure.
Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais lancer une lessive parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté plusieurs kits de couture chez Liz Taylor. Mais il faut que je lave les tissus avant de me mettre à la couture. Donc déjà, une fois que ça se sera fait, ce sera pas mal. Ça veut dire que tout sera prêt pour que je me mette à coudre la première jupe. Donc je vais aller laver le premier tissu que j'ai eu, le tissu noir avec les chats, pour que courant de semaine prochaine, je puisse m'atteler au patron de la couture. Non ? On inverse les mots, on les remet dans le bon ordre, merci beaucoup. À la couture du patron. Et ça pourra être super sympa et j'essaierai de vous emmener avec moi sur ce projet là. Mais pour le moment, il faut que je le lave et que je le mette à sécher. Lancé, tout est en train d'être lavé et je suis sur le point de me cuisiner le repas de la flemme. Est-ce que je vous ai déjà dit que je suis fan de ces saucisses de chez Happivore? Il me semble bien que oui. Les chipots végétales de chez Happivore, elles sont vraiment délicieuses, j'adore. Et depuis que j'ai découvert ça, je mange vraiment hyper régulièrement. Et c'est absolument parfait quand on n'a pas envie de cuisiner, ce qui est complètement mon cas là maintenant tout de suite. J'ai pas envie de passer 4 heures dans la cuisine parce que j'ai faim maintenant et que j'ai envie de manger maintenant. Donc je vais me faire ça à la poêle. J'ai aussi un oignon et une boîte de conserve de haricots verts. Alors vraiment le repas de la flemme, hein, ça va être ultra vite fait. Je vais faire revenir tout ça, je vais me faire une bonne assiette. Et j'ai aussi du melon, donc ça va être parfait pour le côté un petit peu plus frais. Et une fois que j'aurai terminé de manger, eh bien je vais aller m'occuper de ma terrasse. J'ai terminé de manger, mon châle et la bralette sont étendus derrière moi sur mon tapis de yoga. La bralette, je l'ai simplement posée parce que je ne voyais pas bien l'intérêt de la bloquer avec des aiguilles, vu que dans tous les cas, elle va se mouler à mon buste quand je vais la porter. L'idée, c'était simplement de la laver pour lisser un petit peu les mailles et avoir un plus joli rendu avec l'objet terminé. Pour le châle, j'ai pas eu assez de petites épingles pour le bloquer, donc j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Il est possible du coup qu'il y ait certains endroits où ce soit un petit peu moins droit, mais c'est pas très grave parce qu'une fois porté et enroulé autour du cou, bah, ça ne se verra pas, donc ça m'inquiète pas trop. Mais déjà ça c'est une bonne chose de faite, et là je vais aller m'occuper de ma terrasse.
Au départ, je m'étais dit, bah, tu vas avoir plein de temps, tu vas pouvoir enlever toutes les plantes qui sont mortes, enlever les mauvaises herbes, rempoter les plantes qui ont besoin de l'être. Et au final, il est 16h30 parce que j'ai mangé super tard. Donc, je vais pas avoir le temps de tout faire parce que j'ai envie d'aller faire quelques courses avant que les magasins ne ferment. Donc, je vais parer au plus urgent et à ce qui va se voir le plus, c'est-à-dire toutes les plantes mortes qui sont sur ma terrasse et qui sont vraiment pas belle du tout, donc je vais m'occuper de mettre tout ça au compost, de tout couper en petits bouts, etc. Si j'ai le courage et que j'ai encore un petit peu de temps, je vais enlever les mauvaises herbes et ensuite j'irai faire quelques courses parce que mes collègues m'ont offert pour la fin de l'année, comme je ne sais pas si je vais rester dans cet établissement l'année prochaine ou pas, je suis remplaçante, donc je suis potentiellement envoyée dans des établissements différents tous les ans. Et comme je ne sais pas si je serai dans cet établissement l'année prochaine, ils ont fait comme si je partais, donc ils m'ont offert un bon d'achat à dépenser dans une mercerie et je serais bien passée à la mercerie pour trouver quelques petits trucs, pour voir ce qu'ils avaient, etc. Et surtout, le plus important, c'est que j'aimerais bien m'acheter 2-3 trucs pour le dîner de ce soir, donc il faudrait que je fasse ça avant que tout ferme. Et il faut donc que j'arrête de blablater et que j'aille nettoyer ma terrasse pour ensuite pouvoir décoller. Je suis de retour de mes courses et je n'ai rien trouvé à la mercerie. C'est un peu les merceries à l'ancienne, entre guillemets. Et donc, il y a beaucoup de choses de chez Katia ou de chez Fildar qui sont moins les laines que moi je vais utiliser sur mes projets. Puisqu'il y a beaucoup d'acrylique dedans, ce genre de choses. Donc, je suis un petit peu moins fan de ce genre de laine. En revanche, pour les amigurumi ou pour les broderies, il y a quand même pas mal de petites choses, donc je pense que au fur et à mesure des projets que je ferai, j'irai peut-être m'approvisionner dans cette mercerie pour trouver ce qu'il me manque pour le crochet et pour la broderie. Et sinon, il y a aussi pas mal de tissus, donc si un jour je deviens un petit peu plus aguerrie en termes de couture, peut-être que j'irai m'approvisionner là-bas aussi pour le tissu. Donc pour aujourd'hui, je suis revenue les mains vides. J'avais un petit peu espoir qu'il y aurait le livre de Picapo, le troisième volume des Amigurumi dont je vous avais parlé dans mon précédent podcast. Ils en avaient pas, ils ont en fait, en termes de livres de patrons, ils ont que des choses de chez Fildar ou de chez Katia, donc voilà, pareil, ça m'intéressait pas trop. Mais bon, c'est pas grave, au moins maintenant je sais un petit peu ce qu'il y a là-bas et je sais pour quelles occasions, pour quels projets je pourrais aller voir s'il y a des choses qui me conviennent. Je suis aussi passée chez Fresh, j'ai acheté une burrata, passionnant, pour mon dîner parce que il me reste un avocat et des tomates, donc je pense que je vais me faire une petite salade bien fraîche pour le dîner. Et là, j'ai envie d'aller courir. Alors c'est assez improbable si vous me connaissez, parce que bon, courir c'est pas trop de base, c'est pas trop ma tasse de thé, mais depuis quelques semaines je m'entraîne de temps en temps parce que ma sœur veut qu'on fasse un 10 km ensemble. Et alors, moi je ne sais pas courir, donc c'est-à-dire que courir 30 minutes, ça va, plus que ça, c'est compliqué. Donc j'ai trouvé sur l'app de Decathlon un programme pour m'entraîner à courir 45 minutes sans interruption. Donc je suis en train de faire les séances pour compléter ce programme. Je suis à peu près à la moitié du programme. Et ensuite il faudra que je prenne celui où on court une heure sans interruption. Et après je pourrai m'entraîner aux 10 km. Donc là améliorer ma vitesse, etc. Et puis pouvoir courir, pouvoir tenir tout simplement pour les 10 km. Mais là, aujourd'hui, j'y étais deux fois déjà cette semaine et j'ai envie d'y retourner. Je pense honnêtement que plus on court, plus on a envie d'y aller.
Ça commence à devenir agréable aussi, donc bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Dans tous les cas, je continue le yoga tous les matins, vous l'aurez vu au début de ce vlog, j'ai fait mon yoga comme tous les matins. Ça fait 4 mois maintenant que je fais ça, donc j'arrive quand même à m'y tenir. Ça m'arrive de temps en temps de pas le faire, typiquement si je suis malade, ça m'est arrivé, voilà, j'ai été malade une ou deux fois, donc je l'ai pas fait ces jours-là. Et si je suis... pas chez moi, que j'ai pas mes affaires, que c'est pas pratique dans l'emploi du temps de tout le monde, voilà, je saute une ou deux séances. Mais dans l'ensemble, quand je suis à la maison, je le fais tous les matins et ça c'est vraiment cool. Je commence à vraiment sentir, surtout dans le haut du corps, que j'ai de plus en plus de force. J'ai moins l'impression d'être affalée dans les positions que je suis en train de faire. Donc ça c'est chouette aussi. Tout ça pour dire que voilà, j'ai plus d'énergie. Là j'ai envie d'aller courir, donc je vais pas me stopper dans cette envie. Donc je vais me changer, je vais aller me mettre en tenue. C'est pas dit que je remontre mon faciès par ici après, parce que quand je cours, je deviens rouge. Mais alors vraiment comme une tomate, c'est à se demander si à la naissance j'ai pas été croisée avec des tomates, parce que vraiment vous n'avez jamais vu une personne aussi rouge de votre vie quand elle fait un effort. Clairement c'est assez exceptionnel, donc je vais éviter de vous infliger ça. Dans tous les cas, quand je vais rentrer, il y aura douche, petite salade bien fraîche et je pense que ce sera tricot, canapé, série en fond pour terminer cette journée.